suffisait. T'as quelqu'un dans ta vie, toi? En ce moment, c'est calme, ma femme vient de se tirer. Profession? Docteur en médecine. Situation de famille? Séparé. Séparé! Cette tête-là, ça va peut-être s'arranger. C'est ça, elle a sûrement sauté de l'avion en passant dessus de la maison. Je sais pas comment on fait pour vivre seul, moi, j'ai jamais vécu seul. Vous êtes très en retard? Je sais pas, ça dépend du temps que vous allez mettre. Il m'a raconté qu'il était plongeur chez Cousteau. Puis moi, comme une conne, je l'ai cru. Mais non, dis pas ça. Moi, le premier, si je rencontrais un plongeur de l'équipe Cousteau, je sais pas si je pourrais me dominer longtemps, tu sais. Les mecs, dès qu'ils s'épanouissent, ils vous plaquent au sol. Faudrait tout le temps leur tenir la tête sous l'eau. Les booms, ça existait de votre temps? Ah oui, mais tu sais, j'ai 29 ans, c'est pas si vieux, hein. Vous faites plus, hein? Mais ça doit être les cheveux. Bah oui, ça doit être ça. Tu veux boire autre chose, une grenadine? Non, 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 faut que j'y retourne. Au revoir, monsieur. Et bon, au revoir, monsieur. Vous allez pas danser? Non, j'attends qu'il y ait les valses. Petit con, ouais. Non, mais qu'on se fasse pincer les fesses dans le métro, déjà, c'est pénible. Alors, si on peut plus appeler un médecin sans se faire draguer, ça devient intenable, là, hein. Je me suis mal exprimé. Ah bon? Non, non, je vous assure, il y a un malentendu. Bah voyons. Sale con! Non! Minou! Faut pas passer par les comme ça, Minou, ça assure! Écoutez-moi la paix, c'est ma femme! Bon, Marie-Claude, je plaisante plus maintenant! Je te préviens, si tu pars, je te quitte! Bah oui, bah j'ai fait le maximum, hein.